Bienvenue à toutes et à tous au nom de l'Université de Mons dans cette magnifique collégiale Sainte-Vaudru. Alors, je pense que vous êtes venus pour voir ce grand pendule fonctionner, ce pendule de Foucault. Mais avant de le mettre en route, on va discuter un peu, essayer de comprendre dans quel contexte il a été construit et comment il va nous montrer que cette Terre tourne. Mais on va commencer par quelques questions. Alors, qu'est-ce qui dans la vie de tous les jours vous montre qu'on vit sur une planète, la Terre, qui tourne sur elle-même? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'école primaire. Hein. On vous dit qu'on vit sur une planète qui tourne, mais est-ce qu'on en est sûr? Qu'est-ce qui vous montre que ça tourne? Vous diriez quoi? Alors toi, tu dis, voilà, on voit le soleil qui se lève à l'est, puis il monte dans le ciel, il passe par le sud et puis il se couche. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable. Je vais te dire, ben, coup de la Terre, en fait, elle ne tourne pas. Et tu as le soleil qui tourne autour de nous. Quand le soleil il est haut dans le ciel, eh ben, il fait jour. Et quand il est de l'autre côté, il fait nuit. Donc a priori, si je veux vraiment être rigoureux, le fait qu'on voit le soleil bouger dans le ciel, ce n'est pas une preuve. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? C'est la même chose. Ben, les étoiles, elles tournent autour de nous et la Terre, elle ne bouge pas. Souvent, les gens disent aussi, oui, mais une preuve certaine, c'est que quand on vide un évier, il y a l'eau qui se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, et quand on change dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. En fait, ça, c'est totalement faux, c'est une rumeur urbaine, on terminera par ça, vous allez voir, c'est assez amusant. En fait, cette question de qu'est-ce qui tourne, la Terre sur elle-même ou bien les étoiles autour de nous, c'est une question qui est vieille comme le monde, elle a plus de 25 siècles. Et les Grecs se l'étaient posé, et eux disaient, ben, si on tournait, on devrait le sentir. Si vous allez dans un parc d'attractions, ou quand vous étiez petit, quand vous alliez au manège, on sentait les yeux fermés qu'on tournait. Donc physiquement, il y a une sensation. Or ici, on ne sent rien. Donc les Grecs disaient, ben, si on ne sent rien, c'est qu'on ne tourne pas, sinon ça devrait se sentir. Alors bon, c'est un argument qui n'est pas tout à fait juste, on verra ça tout à l'heure. Donc pour vraiment essayer de trouver une réponse à cette question et voir comment ce pendule finalement est arrivé, parce que la chose incroyable, c'est que cette question, elle va s'étaler sur 25 siècles. Il y a des gens qui vont manquer de brûler pour défendre leur opinion. Et puis arrive un jour Léon Foucault avec une ficelle et une boule et dit « moi j'ai la réponse ». Voilà. C'est une histoire complètement dingue qu'on va essayer d'aborder. Là maintenant je vais vous inviter, on va aller jouer avec un petit manège qui va nous permettre de tout comprendre en fait. On y va? Vous venez? Alors l'idée c'est quoi? Prouver que la Terre tourne, c'est pas facile, clairement. On va essayer maintenant de jouer avec un petit manège qui en gros va représenter une Terre miniature. Là, cet objet, on le voit tourner. Et on va leur demander de faire tout un tas d'expériences avec une petite balle. On va essayer de voir en fait s'il n'y a pas un indice qui va trahir la rotation. Donc on va jouer avec ce manège-là. Elena, je vais te passer cette balle-ci. Je vais te demander de faire rouler cette balle en direction de Kevin. Voilà, tu peux y aller. Tu peux la lancer même un petit peu plus fort. Vas-y Kevin, vas-y un peu plus. Voilà, comme ça, nickel. Et là, voilà, entraînez-vous. On voit que clairement, quand ça ne tourne pas, la balle, elle va en ligne droite. Il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez arrêter. Maintenant, on va compliquer la chose, évidemment, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire tourner, d'accord? On va vous faire tourner et on va vous demander de vous lancer la balle aussi de la même façon. Donc à chaque fois que vous serez avec les murs derrière vous ou devant vous, donc en gros perpendiculaire à la nef de l'église, vous vous lancez la balle. Alors vous avez le choix, soit vous observez directement ce qui se passe ici sur la table, soit vous servez des deux écrans qui sont là. Vous avez l'écran de droite ici qui vous donne une image qui est capturée par l'écran, par la caméra qui est là-bas en haut au niveau des orgues. Ça, c'est une vue extérieure en fait au manège. Et puis, vous avez ici une vue un peu particulière. Regardez ce qui se passe quand je fais tourner le manège ici. En fait, c'est une vue embarquée. Donc, vous voyez en fait ce qu'eux voient si vous étiez avec eux sur le manège. OK, on y va? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Donc, à chaque fois que vous êtes de ce côté-là, vous lancez la balle. Et vous, vous observez. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oula, manifestement, il y a des difficultés. Alors, où elle est partie? En dessous. Alors ça n'arrive évidemment jamais. Voilà, ici. Alors, manifestement, c'est un peu plus compliqué. On va recommencer. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quoi? C'est un peu dévié. Alors, est-ce que tu peux montrer avec la balle le chemin que la balle a suivi? Voilà, donc tu prends la balle, voilà, vas-y, montre-nous. Donc, qu'est-ce que tu vois? Donc, tu vois la balle qui fait quoi? Elle fait ça, c'est ça? Oui. Et toi, tu vois quoi? Montre-nous. Elle fait ça. Donc, toi, tu vois la balle qui dévie vers la droite? Oui, c'est ça. Et toi, tu vois... Normalement, elle doit dévier vers la gauche. Ah, je sais pas, normalement, peu importe. Ce qu'il faut, c'est observer. Ouais. Il faut pas extrapoler quoi que ce soit. Je refais encore une fois pour que tu vois sur... Ok. Les gars, je commence à vieillir, mais ne faites pas faire 50 fois. On va recommencer. Attention, c'est parti. Voilà. Ok. Voilà. Magnifique. Donc en gros, tu as vu la balle qui est partie d'ici et qui elle était par là, et toi, idem. Ouais. Vous avez vu la déviation?
Vous êtes sûr de ça? Vous êtes prêt à parier vos vacances là-dessus? Il y a un piège. Je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur la balle. Vous oubliez que vos copains sont là, ils n'existent pas. Vous ne vous concentrez que sur la balle, vous oubliez le reste. Et éventuellement, vous pouvez aussi vous concentrer uniquement sur cet écran-ci. Et là aussi, vous faites abstraction de Kevin et de Elena qui sont en train de tourner. Vous ne regardez que la balle. Vous allez voir, c'est assez étrange. On y va, on recommence. Tour gratuit, c'est parti. On y va. Alors, la même chose? Aucune différence? Non? Ah, donc toi tu dis, en fait la balle, tu dis? Au moment où il lance, ça part droit. Oui. Alors, du coup, toi si tu observes bien, en fait finalement tu me passes ceci. Donc toi tu me dis, finalement moi la balle j'avais allé à ligne droite. Eux ils voient la balle qui est déviée. Mais qui a raison finalement? Eux qui voient la déviation ou toi qui dis non, la balle elle va en ligne droite? C'est l'un ou c'est l'autre? Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous raison. C'est juste que ça dépend du point de vue. C'est comme dans la vie de tous les jours. Un même phénomène peut prendre des visions complètement différentes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand Elena lance la balle à Kevin, bah, Elena elle lance la balle va en ligne droite. La balle, elle se fiche en fait que la table, elle tourne. Il y a peut-être bien un petit effet de friction, etc. Mais bon, dans l'ensemble, la balle, elle va en ligne droite. Au moment où Kevin, finalement, il voit la balle arriver, bah, le manège l'emmène et du coup l'emmène loin de la balle. Donc il dit, bah, la balle s'éloigne de moi, la balle est déviée. En fait, la balle, elle n'est pas déviée, c'est lui qui s'en va. Ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que maintenant, imaginez l'expérience suivante, on ne va pas le faire. Imaginez qu'on vous enferme dans une cloche complètement opaque. Okay, je vous mets un peu de lumière, vous avez la petite lampe, et je vous dis, je vais faire tourner ou pas le manège, et vous devez deviner, en n'ayant plus aucun repère visuel, si vous tournez ou si vous ne tournez pas. Comment on pouvait faire? C'est en fonction de l'ombre. Alors, il n'y aura pas d'ombre, tu seras vraiment enfermé dans une cloche opaque. Donc, tu as une petite loupiote qui est là, tu as ta balle qui est ici, et moi, de temps en temps, je vous fais tourner, des fois, je ne veux pas tourner. Mais vous n'avez plus de repères au niveau de l'église pour savoir si vous êtes en rotation ou pas, vous devez le deviner. On va le sentir. Alors, si je tourne très lentement, tu auras du mal à le sentir. La terre ici, en fait, en vrai, elle tourne, mais tu ne le sens pas. En fait, il faut se souvenir de ce qu'on a fait avec la balle. Quand vous lancez la balle, il n'y a pas eu de courant d'air, il n'y a rien eu, et pourtant vous l'avez vu dévier. Donc si vous voyez la balle qui est déviée, alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle dévie, la seule explication c'est que c'est vous qui tournez autour. Donc si vous êtes enfermé dans la cloche, vous lancez la balle, si vous savez que la balle, il n'y a rien qui vient la perturber, et que vous voyez une déviation, vous dites ok, c'est une déviation qui est apparente, c'est moi qui suis en train de tourner autour. Donc rien qu'en se lançant une balle, on peut savoir en fait si on vit dans un monde qui tourne. Ben maintenant c'est fini, ou presque. Parce qu'on se dit, ok, ça c'est un petit manège qui fait 1 mètre de diamètre. La Terre, il en fait plus de 6000, ce manège-là. Et donc ça veut dire que si je te lance la balle, Johan, pendant que la balle va voler vers toi, l'église, elle va tourner. La balle, elle s'en fiche, elle va aller tout droit. Et donc au moment où toi, tu dois attraper la balle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la balle va arriver vers toi, l'église, elle va t'embarquer par là, et donc tu devrais voir une déviation. Donc c'est tout simple, aussi simple que ça. Bon, on y va, on va essayer. Attention, observez bien. 3, 2, 1, 0. T'as vu une déviation? Moi non plus, on peut recommencer. Il n'y en a pas. Donc la Terre ne tourne pas. Donc vous rentrez chez vous, on a fini. Alors pourquoi à votre avis on ne voit pas ici la déviation? Voilà. En fait, le truc c'est quoi? Ici, le manège, quand les enfants viennent, on leur fait mesurer le temps de rotation. Bah, il faut 5-6 secondes pour tourner. La Terre, évidemment, elle fait une rotation, elle boucle une rotation en 24 heures. Mais si vous prenez cette balle et que vous dites, je veux lui donner la même vitesse que la Terre, c'est-à-dire je dis top maintenant, cette balle doit terminer son tour demain à la même heure. Donc c'est-à-dire que la balle, sur quelques secondes, vous ne la verrez pas bouger, ça va trop lentement. Donc si je te lance la balle, effectivement l'église a bougé, mais pas assez pour que tu vois un effet. En fait, la déviation, elle existe, elle est de l'ordre du millimètre. À l'œil, on ne sait pas la voir. Et c'est là qu'on coince. Donc l'idée, elle est bonne, mais on coince. Et c'est là qu'arrive Foucault, il se dit, bon, comment je peux modifier le geste de lancer la balle pour quand même tenter de voir la rotation de la Terre? Il se dit, qu'est-ce que je peux faire à votre avis avec cette balle-ci pour qu'on ait le temps de voir la rotation? Le problème, en fait, c'est un problème de temps. Je n'ai pas le temps de voir la Terre qui tourne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, si je prends la balle, je la lance super loin. Si elle vole pendant un quart d'heure, ah là, l'église, alors elle a le temps de tourner,
et la balle va vraiment taper à côté de l'endroit où elle devait aller. S'il n'y a pas eu de vent, s'il n'y a pas eu d'oiseaux qui ont shoté dedans, eh bien, si on voit que la balle ne tombe pas là, elle doit tomber, on dira c'est que le sol a tourné. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler ça. Il y aura toujours bien du vent, il y aura toujours bien un problème. Notez que les militaires, quand ils lancent un missile, ils doivent tenir compte de la rotation de la Terre. Et donc Foucault intervient, là je prends un petit accessoire, ça c'est une idée absolument de génie. Lui il dit, eh bien si je veux finalement que la balle vole plus longtemps pour que j'ai le temps de voir la déviation par rapport au sol, eh bien j'ai qu'à prendre finalement la balle, je lui attache un fil, et si je fais ça, regardez bien, j'ai une balle qui vole pendant très longtemps, on est à l'abri du vent parce qu'on est à l'intérieur, la seule différence c'est que quand je lançais ma balle avec le canon, ben, la balle accumulait des kilomètres en ligne droite, celui-ci va accumuler des kilomètres mais en faisant des allers-retours. Mais ça, c'est une balle qui vole pendant longtemps. Et donc, a priori, avec cet objet-ci qu'on appelle un pendule, il devrait y avoir moyen de prouver que la Terre tourne parce qu'on devait avoir une déviation. Ça, c'est l'idée de base. Ne me demandez pas comment il l'a eu. Ça, c'est le génie pur. Alors maintenant, on va aller plus loin. S'il y en a d'autres qui veulent venir sur le manège, on peut changer. Qui veut venir? Non? Il se dégonfle, tu veux venir? Allez, Étienne, je sens que ça te démange. Vas-y. Elena se barre. Et quelqu'un pour remplacer Kevin? Allez. Merci à vous deux. Donc maintenant, on va jouer avec un petit pendule. Et j'ai besoin de quelqu'un ici. Allez, viens, merci Alain. Voilà. Donc c'est la même chose. Tu t'installes, voilà. Alors, Alain, tu peux prendre le pendule en main. Vas-y. Tu le stabilises vers toi. Non, pas trop loin, sinon tu le lâches d'ici. Okay. Tu le stabilises bien. Il faut essayer d'éviter de bouger latéralement. Tu le lâches et toi, Étienne, tu l'attrapes. Vas-y. Ok. Nickel, tu recommences, et toi tu attrapes aussi, vas-y. Ok, vous continuez comme ça. En fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même expérience que tout à l'heure quand vous lancez la balle. Tu lances une balle, tu l'attrapes, et on voit que le pendule, il va en ligne droite. Maintenant, évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est le lancer dans une autre direction, ça ne change rien. Maintenant, tu vas le laisser aller, on va laisser le pendule penduler, on va le laisser osciller, vas-y, et on laisse faire. Là, c'est quoi? C'est comme si vous aviez les deux copains qui se lancent une balle sans arrêt, c'est juste qu'il est en mode automatique. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que la balle, le pendule, ben, il reste dans la direction dans laquelle on l'a lancé. Si maintenant je choisissais une autre direction, par exemple la direction de la nef de l'église, je lance comme ça, ben, le pendule, il continue dans cette direction-là. Ok. Et les choses sérieuses commencent maintenant. On va lancer le pendule dans une direction. On va faire tourner le manège. À votre avis, qu'est-ce que vous allez voir? Et qu'est-ce que eux qui sont à l'extérieur vont voir? Vous diriez quoi, vous? Donc imaginez, vous lancez entre ça vous. Va dévier. Alors attends, vas-y Étienne, prends-le ici. Donc toi, dans un instant, tu vas le lâcher. Ok, vas-y, fais-le. Ok, toi, tu penses quoi là? Que ça va dévier quand on va tourner. Ok, et eux, ils verront quoi? Ouais, on y va, c'est parti. On voit que le pendule, en fait, il se fiche complètement que ça tourne. Et eux, ils ont l'impression. Regardez sur l'écran de gauche que eux voient. Pour eux, le pendule, il fait n'importe quoi en fait, d'accord? Donc c'est vraiment impressionnant. Eux, ils voient un pendule qui dévie en permanence. Alors après combien de temps est-ce qu'eux revoient le pendule revenir entre eux? Bon, après un demi-tour, évidemment, ils ont à nouveau le pendule entre eux, mais après un tour complet, tout revient comme c'était. Ben, si vous avez compris ça, en fait, vous avez compris le principe du pendule de Foucault. Enfin, en tout cas, le point le plus important. L'idée, c'est quoi? Vous lancez un pendule et subitement, vous le voyez dévier. Vous savez qu'un pendule, ça ne dévie pas. Et donc si le pendule ne dévie pas, que vous l'avez dévié, c'est que vous qui êtes en train de tourner autour. Donc maintenant, imaginez, pour un dernier petit accessoire, vous êtes au pôle Nord et vous voulez réellement mener l'expérience et vérifier si la Terre tourne. Alors la difficulté supplémentaire, c'est que la Terre, elle tourne lentement. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est tout simple. On va mettre des petits bouchons, des petits repères sur le manège. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors je vais placer les petits bouchons et puis je vais lancer le pendule dans une direction totalement différente de celle des bouchons. Donc on est au pôle Nord, imaginez que vous êtes vraiment avec vos grosses fourrures en esquimaux. On lance le pendule dans une direction quelconque comme ça. Évidemment, si c'est un vrai beau pendule, ça va continuer aussi comme ceci. Et puis il va se passer quoi? Ben, la Terre, elle va tourner. Quelle que soit sa vitesse, si la Terre tourne, ben, le sol, en fait, il va tourner, eux aussi, et ils vont voir en fait que le pendule, bizarrement, se rapproche des bouchons et les fait tomber les uns après les autres. Donc si on sait que le pendule ne dévie pas et qu'on le voit dévier, et l'écran de gauche vous montre vraiment que ça dévie, c'est l'explication, c'est que la Terre tourne. Puis ils n'ont plus qu'à regarder en combien de temps le pendule revient en position de base, et ils vont se rendre compte qu'il faut 24 heures. Et là, on leur a prouvé que la Terre tourne juste avec une ficelle et une boule. C'est ça qui est fou.
Donc 25 siècles, tout le monde se prend la tête, on s'entre-déchire, et puis on y arrive. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même expérience à Mons, mais là, vous allez voir qu'il y a des subtilités supplémentaires qui apparaissent, c'est beaucoup plus amusant chez nous. Voilà, merci beaucoup, et on va s'installer là-bas. Voilà, maintenant, on va changer d'échelle au niveau du manège. On va jouer vraiment avec la terre directement. En fait, quand on a eu l'idée de construire le pendule de Foucault, on s'est dit, où est-ce qu'on va l'installer ? Alors, pour qu'un pendule fonctionne bien, il faut dépasser au moins 10 mètres de longueur. Parce que quand vous avez un pendule qui est plus petit, il y a plein de petits effets parasites qui font que le pendule ne va pas bouger exactement comme on le voudrait. Donc on s'est dit, ben, l'endroit le plus beau de la ville, et là on a le plafond le plus haut, c'est la collégiale. Donc là on a 25 mètres de haut. Alors évidemment, il faut accrocher ça là-haut. Alors si vous regardez en fait la voûte, on voit toute une succession de petits trous le long de l'arête principale. Ce sont des trous en fait qui permettent aux chanonnaises de descendre des lustres dans l'ampadaire. Parce que ce qu'on voit là, c'est que le dessous de la voûte de Sainte-Vaudruy, la voûte elle a 50 cm d'épaisseur, c'est pas très épais. Vous avez des escaliers en colimaçon sur le côté qui vous permettent de monter au-dessus de la voûte. Et quand vous êtes dans les combles, donc dans le grenier, en fait vous marchez sur une passerelle, vous avez la voûte sous la passerelle, et puis là vous avez la charpente qui est monstrueuse ici, c'est vraiment impressionnant. Charpente d'origine, donc construction de l'église 1450 pour le chœur, on avance progressivement. Et si vous regardez la clé de voûte, là où sort le fil, on est en 1580. Donc c'est une charpente du XVIe siècle qui est ici. Et donc le problème, c'était qu'il fallait trouver le moyen de s'arrimer à la charpente de façon hyper rigide, parce que si l'attache du pendule commence à bilpoter, ça ne va pas marcher. Mais le souci, c'est que vous ne pouvez pas mettre le moindre clou, la moindre vis, on ne peut rien mettre dans la charpente. C'est là que nos techniciens entrent en jeu. Et ils imaginent en fait, ils ont en fait monté par les escaliers en colimaçon, c'était toute une aventure, des grandes planches de bois sans trop de valeur. Et avec ces planches de bois, ils sont venus sandwicher la charpente du 16e. Et donc, tout ce que nous on a amené comme dispositif, il pend sur le sandwich et pas sur la charpente elle-même. Alors, si vous observez bien, on voit que le trou il est carré, et puis on voit qu'à l'intérieur, il y a un petit disque, il y a un petit rond qui est là, vous voyez ? En fait, ce truc, on dirait que c'est petit, mais ce n'est pas tellement petit. C'est la base d'un cylindre qui est gros comme ça, qui est aussi épais que la voûte. Donc, c'est un cylindre que le papa du pendule, Jean Minet, qui est un technicien retraité de l'université depuis plus de 10 ans, nous a refait ici récemment. Donc, c'est un cylindre qui a été percé par un long canal sur toute sa longueur. Et ce canal, il est à peine plus épais que le fil. Donc, ce qu'on voit là, c'est quoi ? Vous avez le fil qui rentre par le bas du cylindre. Le fil traverse le cylindre, donc il est vraiment confiné dans tout le cylindre. Et puis en haut, il y a une petite pièce mécanique qui permet de le fixer, de régler la hauteur, et puis il y a un tas de petits raffinements en plus sur lesquels je vais passer. Le câble, il descend, et puis il arrive ici, finalement, il arrive au niveau de la sphère, du balancier. Alors cette sphère, elle est assez étonnante. Sa masse est de 44 kg, donc ce machin-là, s'il est au sol, à tout seul, ce n'est pas possible de soulever, il faut être deux. Et l'originalité, c'est que Jean Minet l'a construit en assemblant 43 disques d'acier inoxydable qui ont été coupés au laser. Alors le plus petit disque, en fait, il a un diamètre d'environ 3 cm. Au niveau de l'équateur, on est à 22. Et puis Jean a construit cette pièce magnifique qui permet de passer de la sphère à la pointe. La pointe, à quoi elle sert ? Bah, elle sert exactement à repérer l'endroit où passe le pendule. Et puis éventuellement à faire tomber les bouchons si les bouchons sont là où ils ne devraient pas être. Ok, alors tout le système ici de lancement qui semble un peu particulier, à quoi il sert ? Mais simplement, on doit lancer le pendule en l'ayant au préalable totalement stabilisé. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu le tenais, d'éviter les mouvements latéraux. Parce que si tu prends le pendule, tu ne pourras pas t'empêcher en fait de bouger latéralement. Et si tu le lâches latéralement, au lieu d'osciller le long d'une ligne, il va osciller mais en fait le long d'une ellipse, le long d'un ovale. Et là, le mouvement ne sera pas comme il devrait être. Donc du coup, on l'a stabilisé avec la petite équerre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait brûler le petit cordon qui est ici. Le cordon va se couper. Le ruban qui est là va tomber. Alors, il a fallu penser à avoir un cordon assez grand, enfin un ruban assez grand, pour que quand le ruban tombe, il ne s'accroche pas à la pointe. Ça, moi, je n'avais pas pensé, c'est Jean qui expliquait tout ça. Et alors, pour l'instant, on s'est arrangé pour que ce pendule, quand il parte, eh bien, il part essentiellement dans la direction de la nef de l'église. C'est juste pour un choix esthétique, hein, on aurait pu l'envoyer dans une autre direction. Et a priori, les bouchons, ils sont de part et d'autre de l'endroit où passe le pendule. Donc, il n'y a aucune raison que ce pendule, en fait, touche les bouchons. Et comme c'est un vrai pendule de très haute qualité au niveau mécanique, ce pendule, il ne déviera pas. Il n'y a pas de raison qu'il dévie.
sauf si on vient taper dedans. Alors maintenant, évidemment, on va le lancer. Alors vous doutez que si vous êtes là, c'est que le pendule, à un moment donné, il va dévier, évidemment. Alors on va lancer la chose. Ici, ce sera mieux. Voilà. Alors ce qui frappe, c'est que ce pendule, il est extrêmement silencieux. Ça veut dire qu'au niveau mécanique, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui grince, il n'y a rien qui accroche. Voilà, la mécanique va bien. Ce qui frappe aussi, c'est la lenteur, en fait. On va s'amuser, on va compter combien de secondes met ce pendule pour faire l'aller-retour. Donc quand il va arriver ici, on va compter. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce pendule, il met 10 secondes pour effectuer son aller-retour. Vous voyez, c'est beaucoup plus que le petit pendule jouet qu'on avait sur le manège. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce pendule, il met 10 secondes et l'autre, il allait juste comme ça? Alors, la longueur, bien vu. En fait, en général, quand je pose la question au public qui vient ici le dimanche ou aux gosses qui viennent en semaine, ils disent tous, mais monsieur, c'est parce que le pendule, il est plus lourd. Parce qu'on leur a dit que ça, c'est 44 kg et là-bas, c'est, à mon avis, 300 grammes. Alors, on peut aller plus loin et dire, mais OK, imaginons que ce soit le poids, la masse plutôt. Si je remplace ce pendule, ce balancier par un éléphant, imaginons, on crée un pendule éléphant avec un éléphant de 5 tonnes. Si je lance le pendule, est-ce que ce pendule va mettre 10 secondes, moins de 10 secondes ou plus de 10 secondes? Et tout le monde dit, bah, vu qu'il est encore plus lourd, il mettra plus de 10 secondes. Et en fait, le pendule, c'est une sale bête. Peu importe l'objet qu'on met ici en dessous, que ce soit un éléphant, une balle, une boîte de chaussures ou une coccinelle, il mettra toujours 10 secondes. C'est vraiment un objet tout à fait étonnant. Évidemment, si je mets une coccinelle, elle va être plus rapidement freinée par les frottements, mais sinon, il mettra le même temps. Alors pour l'instant, vous voyez le pendule revient pratiquement là où je l'ai lâché. Donc on va essayer de repérer l'endroit. Il vient environ ici, voilà. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que avec le temps qui va passer, ce pendule, à chaque fois qu'il fait un aller-retour, il perd un peu d'énergie. Et donc dans une heure, ben, il ne reviendra plus ici. Il reviendra là, et puis là-bas, et puis là-bas. Donc pour l'instant, il parcourt environ 5 mètres. Et puis à un moment donné, il ne va plus que faire 50 cm, et puis 5 cm, et puis 5 mm, 5 dixièmes de millimètre, puis il finira par s'arrêter. Donc question, si maintenant il met 10 secondes pour parcourir le diamètre de 5 mètres, enfin le retour, à votre avis, quand il ne va plus parcourir que ça, 5 cm, est-ce qu'il va mettre 10 secondes, moins de 10 secondes ou plus de 10 secondes, quand il n'aura plus grand-chose à parcourir? Alors là, vous vous méfiez, évidemment, je vous ai déjà tendu un piège, c'est normal. Là, tout le monde se plante aussi, tout le monde dit, bah oui, comme il n'y a pas beaucoup de distance, il ira plus vite, mais en fait, non. Cette sale bête mettra le même temps, il mettra aussi 10 secondes. Et c'est pour ça que Galilée, quand il a découvert cette propriété, il s'est dit, mais c'est génial, parce que j'ai qu'à construire un pendule qui fait un aller-retour en une seconde, ok, avec ça, je fais une horloge, parce que je lance mon pendule, à chaque fois qu'il revient, j'ai une seconde qui est passée. Puis j'ai plus qu'à mettre un petit mécanisme qui compte le temps avec une aiguille, et c'est bon. Et donc, si vous construisez une horloge avec un pendule, on appelle ça une pendule, ça devient féminin, voilà, c'est de là que ça vient. Alors, pourquoi il met le même temps? Ben, on peut le deviner, hein. Donc ici, pour l'instant, il va très très loin, mais il remonte du coup assez haut. Donc quand il remonte, après qu'est-ce qu'il fait? Ben, il repart, il prend de la vitesse parce qu'il descend. Donc du coup, il a beaucoup de distance à parcourir, mais il a parcours en moyenne à grande vitesse. Par contre, quand il bouge sur que ça, il monte presque pas et donc sa vitesse est très très basse. Donc l'un dans l'autre, ça se compense. Voilà. Alors maintenant, si vous vous mettiez réellement dans l'axe des bouchons ici, vous allez vous rendre compte que bien le pendule, il commence à se resserrer de plus en plus des bouchons. Alors on va y arriver. Je pense que dans quelques retours, vous allez voir ce qui va se passer. Ça y est, le bouchon est tombé. Pour dire, ben, c'est le hasard. En fait, on peut recommencer cette expérience-ci un milliard de fois. Ça va toujours se passer de la même façon. À un moment donné, les bouchons, ils commencent à tomber. C'est comme si vous aviez ici Kevin et Elena. Vous avez une balle, vous la lancez, hop, et vous voyez la balle qui divise d'un millimètre à chaque fois qu'elle part par là. Et puis on la relance à nouveau d'un millimètre. Donc le millimètre, on ne le voit pas. Mais comme ce pendule, il accumule les allers-retours, les petites déviations d'un millimètre s'accumulent, et finalement, en une demi-minute, on voit réellement que le pendule a dévié. Mais on a compris qu'il, en fait, lui, il ne dévie pas. La chose la plus troublante ici, c'est qu'on a l'impression que le pendule dévie qui fait tomber les bouchons. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que finalement, ce n'est pas lui qui dévie, c'est l'Église qui est fixée sur la Terre embarque la collégiale,
Elle embarque le sol, elle embarque vos chaises, elle vous embarque vous, elle embarque les rampes, elle embarque les bouchons. Et donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est les bouchons qui changent de place et qui se placent devant le pendule. Exactement comme la petite rampe miniature qu'on avait mise sur le petit manège, on voyait que quand on faisait tourner le manège, c'était la rampe qui changeait de place et qui se mettait devant le pendule. C'est rigoureusement le même ici. Donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas le pendule qui dévie, c'est nous qui tournons autour. Voilà. C'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, évidemment, avec les secondes qui vont passer, le temps qui va passer, bah, évidemment, vous allez avoir ce pendule qui va de plus en plus se faire tomber les bouchons, c'est-à-dire à celui-ci et puis l'autre. Et maintenant, on va aller plus loin dans le raisonnement. On va se dire ceci. Je prends... Voilà, laissez ça comme ça. On y arrive. Je prends ceci. On va définir un petit mot de vocabulaire. Alors, là, j'ai un petit pendule. Okay, c'est une petite réglette. Tiens, à ce propos, vous avez dit avec raison que le pendule, en fait, il met beaucoup plus de temps parce qu'il est plus long. On pourrait se poser la question de pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est un phénomène qu'on voit dans la nature. Quand vous marchez, vous faites quoi? On est tellement habitué à marcher qu'on ne se pose plus la question. Quand vous marchez, vous prenez votre jambe et vous la lancez, comme ça. Okay? Donc vos muscles lancent la jambe et puis la jambe retombe toute seule. Donc en fait, quand vous bougez comme ça, vos jambes sont des pendules. Donc un bon pendulaire et puis un autre. Si maintenant vous prenez une girafe elle a des jambes de 2,5 m de haut. Observez la façon dont la girafe se déplace. Vous avez l'impression qu'elle a un mouvement d'une lenteur extrême. C'est comme si ses jambes étaient des grands pendules. Et d'un grand pendule, ça va doucement. Si vous prenez maintenant un chat ou une fourmi, ben les pattes sont des pendules miniatures et donc tac, 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 ça va très, très vite. Ouais, c'est un phénomène qu'on revoit à toutes les échelles. Donc je reviens ici avec ma petite maquette. Donc ici, j'ai un petit pendule et la direction dans laquelle je lance, la feuille dans laquelle le pendule aussi, est représentée par cette plaque en plexiglas. On va appeler ça le plan d'oscillation du pendule. Okay, donc moi ici, pour l'instant, j'ai lancé le pendule exactement dans la direction de la nef de l'église. Alors, manifestement, le premier bouchon est tombé. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le plan d'oscillation du pendule, il tourne dans quel sens en apparence? Il tourne dans ce sens-ci ou bien il tourne dans ce sens-là? Donc, observez l'endroit où était le pendule et où il est maintenant. Toi, tu dis quoi? Anti-logique? Ça ne m'arrange pas. Ah, ça m'est tombé. Regardez, en fait, au départ, le pendule, il est là, et puis il fait tomber un bouchon qui est ici. Donc, c'est qu'il est obligé de tourner comme ça. Oui, non? Vous avez, ça va se... dans les minutes qui vont suivre, vous allez mieux le voir avec les bouchons qui vont suivre. Donc, en fait, ce pendule, en apparence, son plan est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, pour l'instant, tu le vois là, et dans une heure, il sera complètement de travers, et puis il va osciller comme ceci, puis il va osciller comme cela, etc. Alors, question a priori simple. Ok, bah si le plan du pendule, en apparence, il tourne dans le sens aigu d'une montre, bah dans combien de temps il aura fait un tour complet? 24 heures. Eh bien, patatras, absolument pas ça. En fait, ici à Mons, le pendule, il tourne en 31 heures. C'est là qu'on se dit, je pense avoir tout compris du pendule Foucault, et finalement, je ne comprends plus rien. On est tous passés par ce stade-là, y compris Foucault lui-même. En fait, Foucault, quand il a fait l'expérience, au départ, il s'est dit, je vais tester le pendule dans ma cave. Donc, il construit un pendule de 2 mètres de haut. Ça ne marche pas parce qu'il y a une industrie pas loin de chez lui, il y a des vibrations dans le sol, la tâche bouge et il n'arrive à rien. Alors, il se dit, bon, je vais construire un pendule plus long, de meilleure qualité, et il s'installe à l'Observatoire de Paris. Et là, il a une hauteur sous plafond de 11 mètres. Et là, ça marche du tonnerre. Et Napoléon, quand il apprend qu'un Français a trouvé la réponse à la question vieille de 25 siècles, il lui dit, écoute, si tu as besoin d'un endroit encore plus haut, moi, je peux rouvrir pour toi le Panthéon. Le Panthéon, la coupole, elle trône à 67 mètres. Donc, il va installer un pendule qui est 3 fois plus grand que celui-ci. Vous imaginez ce que c'est. Donc, un pendule qui est encore plus lent. Et la phrase qui est reprise ici, vous voyez, vous êtes invité à venir voir tourner la Terre. C'est vraiment la phrase historique que Foucault avait mis sur ses invitations pour inciter les gens à venir le dimanche voir l'expérience. Et c'est la folie, et souvent c'est lui qui anime le dimanche, les gens sont convaincus, ok, on voit la Terre tourner, c'est une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a rien, et dans les 6 semaines qui suivent, il y a un pendule qui est aussi à Londres, et puis à New York. Alors on a trouvé dans les archives de l'université que 2 mois après l'expérience au Panthéon, donc le Panthéon c'était mars 1851, eh bien en juin 1851, il y a quelqu'un qui a installé un pendule Foucault dans la collégiale, une journée, on ne sait pas où.
Et la même semaine, il y a quelqu'un d'autre qui en a installé un dans l'ancienne chapelle du conservatoire à la rue Mimi. Voilà. Donc, comme quoi l'information a circulé à grande vitesse, tellement c'est un truc majeur en fait au niveau des idées. Et puis les gens disent à Foucault, ok, monsieur Foucault, votre expérience elle est fantastique, mais donc si on comprend bien, le pendule il fera un tour en 24 heures. Et Foucault, on peut l'imaginer très ennuyé, il dit, ben non, moi j'ai mesuré, et ici à Paris c'est 32. Donc en fait vous avez 24 heures au pôle Nord, 31 à Mons, 32 à Paris, 43 à Casablanca, 48 au Caire, et puis vous descendez vers l'équateur, et plus le temps est de plus en plus grand. Et donc là, on est en droit de se dire, mais finalement, ok, on voit les bouchons qui tombent, est-ce qu'on est sûr finalement que c'est bien la Terre qui tourne? Est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène qui explique ça? Parce que quel est le lien entre 31, 32 et le 24? Ça semble illogique. Et donc c'est une époque où les physiciens et les mathématiciens vont s'attaquer au problème, et ils vont effectivement réussir à démontrer que, oui, le temps de rotation apparent du pendule, il dépend de la latitude, il y a une petite formule toute simple, on ne va pas l'utiliser, mais n'empêche que Foucault, il était bien embêté à expliquer ça avec les mains. Alors, comment on peut comprendre pourquoi chez nous c'est plus que 24 heures? On va le faire de deux façons différentes. On va le faire via un petit raisonnement qui est imparable, et puis on va utiliser cette expérience-ci, qui est franchement de loin la plus impressionnante de toutes celles qui sont ici. J'ai beau l'avoir déjà fait des centaines de fois, c'est toujours spectaculaire, on la fera tout à l'heure. On va essayer d'attaquer le raisonnement. Alors on a vu que le pendule Foucault à Mons, il dérive en fait en apparence dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que vous connaissez dans le ciel des objets qui se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors on n'a pas l'habitude de l'exprimer sous cette forme-là, mais en fait c'est ça. Si vous prenez le soleil par exemple, le soleil, regardez ma main, il se lève là à l'est, il passe au sud, et puis il va se coucher à l'ouest. Donc le soleil, il tourne dans le sens aiguille du monde. Les étoiles, idem. Mais c'est un mouvement apparent. En fait, on voit ce mouvement apparent parce que c'est la Terre qui tourne dans l'autre sens. Donc c'est normal que si le soleil et les étoiles tournent dans le sens aiguille du monde, le pendule Foucault, on le voit tourner dans le sens aiguille du monde. Okay, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va passer aux choses plus amusantes. Voilà. Imaginez que vous ayez une montre transparente à aiguille. Alors, premier temps, vous prenez votre montre, vous regardez comme ça, question stupide, dans quel sens tournent les aiguilles de votre montre? La question est stupide, vous pouvez répondre vraiment stupide, dans le sens des aiguilles d'une montre, ok? Mais là, par contre, où ça se complique, on fera moins les malins, c'est que si je prends la montre et que je la regarde par le bas, dans quel sens vous allez voir tourner les aiguilles? Alors lui, il va essayer. Antilogique. Voilà. C'est un truc qui, en fait, n'est pas intuitif. Quand on pose la question à beaucoup de gens, en général, 98% des gens se trompent et ils vont tous dire que c'est dans le sens horlogique. Alors, une façon de le voir, c'est de prendre son doigt, sens horlogique, puis je monte, je regarde par le bas et on voit que c'est anti-horlogique. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, on vous a construit une horloge ici. Voilà. Donc, vous avez l'aiguille qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ok. Et si maintenant on regarde par le bas, fatalement, ça tourne dans le sens contraire. Mais en général, l'intuition, elle est malmenée parce que le cerveau humain, il n'a pas l'habitude de gérer des rotations. Dans la vie de tous les jours, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace, on est en translation, on peut éventuellement changer de direction pendant une fraction de seconde, mais on ne vit pas en tournant. Et donc le cerveau, il n'a pas l'habitude de gérer ça. Ok, alors maintenant, on va aller plus loin. Donc ça veut dire que si je suis... pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, si je suis au pôle Nord, mon pendule Foucault, je le vois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, donc je vais prendre ici un petit ourson. Il s'ennuie, il doit suivre un cours de physique. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le pendule qui dévie en apparence dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Mais si maintenant vous étiez au pôle sud, vous avez la tête en bas. Ok. Dans ce cas-là, le soleil, les étoiles, les pendules Foucault, dans quel sens on les verrait tourner? C'est là qu'on rigole moins. Et là, on a pris un petit manchot. Le manchot, il a la tête en bas. Ok. Donc, si on voit le soleil au pôle nord tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, quand vous êtes au pôle sud, on va tourner tout ça dans le sens antihorlogique. Okay? Ça veut dire que le pendule Foucault, si vous placez au pôle sud, qu'est-ce qui va se passer? Le pendule Foucault, vous allez le voir, en fait, tourner ici. On va prendre ceci. Si vous êtes là, le pendule est ici, la Terre tourne. Le pendule se fiche que la Terre tourne. Vous avez l'impression qu'il tourne dans le sens aigu d'une montre. Et si le pendule est dans l'autre sens, ici, vous êtes à l'envers et vous avez l'impression qu'il dérive en 24 heures dans le sens antihorlogique. Donc là, ça tourne 24 heures comme ceci, et là, ça tourne 24 heures comme ça.
Et la question qui tue, vous me voyez venir, à l'équateur, il se passe quoi? Tu dis, il ne tourne pas, effectivement. Ça veut dire que si vous étiez au Burundi et que vous vouliez prouver que la Terre tourne, vous construisez un pendule Foucault, vous mettez vos bouchons, voilà, vous êtes sur l'équateur, vous lancez le bouchon, vous lancez le pendule, vous attendez, et le pendule, en fait, il va jamais, vous n'allez jamais le voir dévier, il ne va jamais faire tomber les bouchons. Donc au Burundi, on ne peut pas prouver que la Terre tourne avec un pendule de Foucault, il faudra faire autre chose. Alors, il n'y a plus qu'un petit élément pour comprendre tout ce qui est important, c'est de dire que, ok, le pendule Foucault, on ne le voit pas dévier si on est à l'équateur, mais un objet qui ne tourne pas, de combien de temps il a besoin pour faire un tour sur lui-même? Donc un objet qui ne tourne pas, de combien de temps il a besoin pour tourner sur lui-même? Voilà, en fait, il a besoin d'un temps infini. Donc dire que le pendule Foucault à l'équateur ne tourne pas, ça veut dire qu'en fait, il a besoin d'un temps infini pour faire tomber les bouchons et tourner. Et c'est pas un simple jeu de mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez besoin de 24 heures, là, vous avez besoin d'infini. Donc si vous passez du pôle à l'équateur, ben, ça veut dire que le temps de rotation par an doit augmenter progressivement. Et voilà pourquoi on a 24 au pôle, 31 chez nous, 32 à Paris, 43 à Casablanca, 48 au Caire, et ainsi de suite. Et puis quand vous passez de l'autre côté, foum, ça s'inverse. Et c'est obligé de s'inverser. Si vous tournez dans un sens et puis vous devez tourner dans l'autre sens, vous devez passer par une case où ça ne tourne pas, c'est à l'équateur. Et quand vous continuez, ben là on repart et on se rapproche de 24 heures quand on s'approche du pôle. Ça c'est la première explication qu'on donnait en fait quand on a fait le pendule au début, à l'imparable, mais nous on n'était pas satisfaits parce que quand même on ne sent pas à la main ce qui se passe. C'est mathématique mais c'est en plus. On s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de visualiser l'effet de latitude sur le pendule autrement? Et puis on s'est dit, mais finalement, oui, il y a sûrement moyen. On s'est dit, quelle est la différence entre un pendule installé au pôle et un pendule installé à Mons? Si je suis au pôle, l'axe du pendule, ben, il est aligné avec l'axe de la Terre. Ça, tout va bien. Et si je suis à Mons, en fait, le pendule, il n'est pas aligné avec l'axe de la Terre, il est de travers. Okay? Donc il suffirait d'imaginer, vous construisez un pendule, vous le mettez de travers par rapport à l'axe de la Terre, vous le lancez, donc le pendule va osciller, et puis ce pendule qui oscille, vous l'embarquez dans une rotation autour d'un axe. Il suffit d'imaginer ça. Bon, il suffit, nous on n'a pas réussi. On s'est pris la tête, on n'a pas essayé de voir ce qui se passe. Donc on s'est dit, ben, si on n'est pas capable de visualiser par l'esprit un pendule de travers qui en même temps tourne, encore une fois c'est le problème des rotations, hein, le cerveau il n'est pas capable de faire ça, eh bien on n'a qu'à le construire et on va l'observer. Et ça c'est tout l'objet du petit pendule qui est là, que je vais vous amener. Ça, c'est une manip dont on est assez fier. On va vous montrer ça. Alors, je vous mets ça ici devant. N'hésitez pas à vous serrer peut-être un peu pour voir. On va commencer par un truc simple. Ça, c'est la manip de base. Vous voyez, le pendule, on a remplacé le fil du pendule par une tige métallique. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on ira en fait incliner ce pendule. Tout à l'heure, on va jouer avec des trucs comme ça. Donc, c'est le pendule tordu qu'on veut construire. Si j'avais mis une ficelle, évidemment, ma petite maquette, elle n'aurait pas belle allure. Donc nous, on a remplacé le pendule filaire par un pendule métallique, c'est la même chose. On a reproduit ici rigoureusement la même rose des vents que celle que vous avez là. Donc il y a la ligne rouge de référence. On n'a pas poussé le jeu à aller jusqu'à mettre des bouchons, mais on pourrait imaginer que vos chaises sont ici autour, etc. Alors ça, c'est le pendule qui représente quelle situation en fait? On est où avec un pendule comme ça? C'est le pôle Nord, ok? Le pendule est aligné avec l'axe de rotation. Alors je lance le pendule le long de la ligne rouge. Si je ne l'embête pas, ben, le pendule il reste le long de la ligne rouge. Mais non, je vais l'embêter, je le lance ici. Voilà, la Terre elle tourne, les bouchons y tombent. Et après un tour complet, le pendule il revient comme il était. Je vais recommencer, voilà. Après un tour, il est revenu comme il était. Okay? Ça c'est le pôle Nord, rien de nouveau par rapport à tout à l'heure. Et nous ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous on veut un pendule de travers, on a un Mons. Alors, on va mettre ce pendule de travers, voilà, ça y est. Donc finalement, imaginez vos chaises ici, la collégiale, on a l'impression que tout est droit, horizontal, ben non, on est de travers. Pour vous rappeler qu'on est ici, on vous a même mis un petit doudou, voilà. Je lance le pendule le long de la ligne rouge, si je ne l'embête pas, ben il y reste, ok. Et maintenant la magie, vous êtes prêts, je vais lui faire un tour complet. Après un tour, il ne revient pas sur lui-même. Voilà. Ça, c'est impossible à visualiser si on ne fait pas l'expérience. Alors, il va de travers. Donc, c'est-à-dire qu'après une journée complète, ben, il n'est pas revenu où il était. Donc, on est sur la piste. Alors, maintenant, de combien je dois tourner pour que ce pendule il s'aligne quand même? Manifestement, un tour complet, ce n'est pas assez. Donc, je recommence. Je lance le pendule
long de ligne rouge. C'est pas assez, je continue. Et ça ligne plus loin, environ ici, environ un quart de tour, comme ça à l'œil. Donc c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait, il vous faut une journée complète de 24 heures, plus un quart de 24, ça fait 6. Donc 24 plus 6, ça va être la gamme des 30 heures. Alors vous pourrez me dire, ouais, mais Francesco, t'es un petit comique, tu nous as construit une expérience totalement trafiquée, où elle a été conçue pour tourner toujours comme ça. Non, si je mens pas, si la physique de la maquette est la même que la physique du vrai pendule Foucault, ben, je dois pouvoir reproduire le mouvement du pendule à n'importe quel endroit de la Terre. Alors à quel endroit de la Terre le pendule il se comporte le plus bizarrement ? À l'équateur. L'équateur, comment je suis passé ? Ben, à l'équateur, en fait, voilà ce qui se passe. Là, je suis au pôle, à Mons, équateur. Donc à l'équateur, je dois être complètement perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors on y va. On va complètement l'incliner ici. Voilà, on enlève le petit bonhomme. Donc ici, a priori, si je lance le pendule le long de la ligne rouge, si je mets des bouchons ici, le pendule ne va jamais chuter dans les bouchons. Il va toujours rester sur la ligne rouge. Bon, on y va, regardez. Alors, c'est moins évident à voir, mais quand même. Vous voyez, il suit tout le temps la ligne rouge. On commence ici. Il faut bien le lancer. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun effet de dérive. C'est vraiment totalement aussi anti-intuitif. Vous voyez, il suit toujours la ligne rouge. Donc c'est vraiment finalement cet effet d'inclinaison qui rend les choses tordues. Donc on peut conclure que c'est vraiment la Terre qui déplace les bouchons et qui fait qu'on voit ceci. Donc il n'y a pas de doute. Là, on voit bien la Terre tourner. Donc le pendule Foucault prouve bien que la Terre, elle tourne. Mais Foucault, il n'était pas probablement satisfait parce qu'à mon avis, les gens devaient lui demander tout le temps, même si pourquoi pas 24, pourquoi pas 24. Et donc il se dit, il faut que j'invente en fait une nouvelle expérience qui soit plus facile à comprendre et qui donne le même résultat, quel que soit l'endroit où on va s'installer. Alors pour construire cette expérience-là, il va partir d'un objet que tous les enfants utilisent, avec lequel ils jouent souvent. C'est ce qu'on appelle une toupie. Alors je vais en prendre une ici. Voilà, ça vous connaissez. Alors c'est un objet qui est assez génial. Si je prends la toupie et que je la pose ici, si je la lâche, il se passe quoi ? Elle tombe, ok, je peux essayer de l'équilibrer. Évidemment, ça ne marche pas, on a beau faire ce qu'on veut. Par contre, si je la mets en rotation, ouais, évidemment, on va le faire à l'ancienne, on va faire ça. On va même refaire ceci. Si je la fais tourner, là, comme par miracle, elle tient. Vous allez me dire, c'est normal. Mais tout ce qui arrive dans l'univers est normal, finalement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est blasé par ça. Mais ce truc est assez dingue, si vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous avez un objet, il ne tient pas. Il n'y a rien que le fait qu'il tourne sur lui-même, tout seul, sans aucune interaction avec quoi que ce soit d'autre, il tient. Puis évidemment, là, il perd de la vitesse. Là, il commence à déconner. Vous avez son axe qui commence à faire n'importe quoi. Et puis, il s'arrête. Et là, il a perdu de la propriété magique de stabilisation. Alors, Foucault, son idée, c'est quoi ? C'est de se dire, manifestement, il y a une forme de stabilité qui apparaît quand ça tourne. Est-ce que je ne pourrais pas imaginer une toupie améliorée dont la rotation soit telle qu'il y ait un axe qui devienne super stable et dont la stabilité est telle que cet axe se ficherait de la rotation de la Terre ? Tu vas avoir l'idée de quelque chose qui est immuable. Si quelque chose qui est immuable et que je le vois quand même bouger, c'est que la Terre tourne en dessous. Bon, on va éclaircir ça, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Et donc, il va créer un objet que je vais vous montrer ici. Alors, celui que nous, on a... Il n'a pas exactement la même tête que celui de Foucault, mais l'idée, elle est là. C'est que ça, c'est une toupie améliorée, celle de Foucault. Qu'est-ce qui change entre ça et ça, à part le métal, etc. Regardez, en fait, c'est la position de la pointe. Celle-ci, la pointe est en bas. Donc, fatalement, pourquoi elle ne tient pas ? Elle ne tient pas parce que vous avez toute la masse qui est en haut. La masse, elle essaie d'aller au plus bas, donc à chaque fois, elle bascule. La toupie améliorée de Foucault, qu'est-ce qu'elle a ? Ben, la pointe, elle est beaucoup plus haute, elle est là. Donc en fait, il y a autant de masse au-dessus de la pointe qu'au-dessous. Donc on dit que la pointe est au centre de gravité. Et là, ce qui est génial, ben, si je la lâche déjà comme ça, alors à part me faire mal au doigt, on voit que ça tient tout seul. Donc ça tient, c'est déjà stable quand ça ne tourne pas. Donc du coup, quand on va le faire tourner, la stabilité sera extraordinaire. Alors celui-ci, ça c'est un de démonstration qui a un peu souffert ces derniers jours. Donc le mouvement n'est plus parfait comme il devrait l'être. Mais croyez-moi sur mesure, sur parole, on va le lancer. On va le faire tourner à grande vitesse et vous allez comprendre le principe. Alors, je vais le poser sur son support ici. On va enlever ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de lui communiquer une vitesse importante. Donc, pour ça, je vais le lancer avec une petite ficelle. Voilà. Donc, je vais enrouler ceci. Et pendant ce temps-là, le pendule, il continue. Hein. Avant de partir, jetez un coup d'œil à sa direction en vous mettant là. Vous allez voir qu'il est complètement de travers par rapport à tout à l'heure.
Alors, je vais tourner ça. Alors, Foucault, il va inventer un nom pour cette toupie améliorée. Il dit, c'est la toupie qui va me permettre de voir tourner la Terre. Alors, il dit tourner la Terre, voir tourner. Eh bien, en grec, tourner, on appelle ça, c'est le mot utilisé, la racine, c'est gyros. Comme gyrophare, etc. Quand il y a les étudiants, je leur dis à la friterie, le pain qui la viande qui tourne, c'est le gyros, c'est la même chose. Et voir, c'est scope, microscope, télescope. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gyroscope. Donc c'est conçu à la base pour prouver que la Terre tourne et il n'y avait aucune autre application initialement prévue. Alors, on va lancer le gyroscope, qui n'a rien d'autre qu'une toupie. On y va. Voilà, c'est parti. Alors regardez, je vais le placer en direction de la nef. Et je vais pouvoir faire tourner le tabouret comme je veux. Lui, il s'en fiche, il reste dans la direction dans laquelle je l'ai laissé. Si maintenant je le prends et que je veux modifier à la main sa direction, il se bat vraiment, il ne supporte pas ça. C'est vraiment, il y a une résistance mécanique vraiment spectaculaire quand on le tient comme ça en main. Je vais essayer de le remettre là où il était. Alors on va essayer, c'est pas évident, je vais le mettre sur sa pointe. L'idée c'est quoi? C'est que si vous avez un bon gyroscope parfaitement équilibré, vous le faites tourner à grande vitesse, vous lui donnez une direction quelconque, et s'il est bien équilibré, eh bien, il peut se passer n'importe quoi. Ça peut tourner en dessous, ça peut tourner n'importe où. Lui, il s'en fiche, il conserve cette direction-ci. Donc tant que ça tourne, cette direction elle est immuable par rapport à l'univers. Alors comment avec ça on prouve que la Terre elle tourne? Mais c'est pas difficile. Je vais reprendre ici mon petit ourson. Okay. Il va nous représenter nous. On est sur la Terre, on est ici. Voilà. Okay. Vous savez qu'un gyroscope, ça ne peut pas dévier. Et vous dites, bon, j'ai lancé dans la direction de l'église. Et maintenant, je vais aller prendre un café sur la place de Mons. Vous partez. Vous revenez dans une demi-heure. Alors, vous revenez dans une demi-heure. Et quand vous revenez, vous savez que ce machin ne peut pas bouger. Et vous, vous l'aurez vu après une demi-heure comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. Donc, vous savez que ça ne peut pas dévier. Vous le voyez tourner. Et donc, vous dites, ben non, c'est le seul qui est en train de tourner en dessous. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on fait cette expérience-ci, eh bien, quel que soit l'endroit de la Terre où on l'a fait, ça peut être le pôle Nord, ça peut être Mons, Casablanca, le Caire ou Paris, eh bien, le gyroscope, vous allez le voir tourner en 24 heures. Pourquoi? Parce que le gyroscope est un objet qui est beaucoup plus simple que le pendule. Le gyroscope, il y a quoi? Il n'y a rien là-dedans. C'est juste un objet qui est équilibré, il y a un point de contact et il fait ce qu'il veut. Tandis que le pendule, le pauvre, il a plein de contraintes. Le pendule, vous avez son attache qui est fixée à la voûte de la collégiale. La collégiale, elle l'embarque dans la rotation de la Terre. En plus, le pendule, c'est un fil à plomb, donc il doit tout le temps être perpendiculaire au sol. Tout ça fait que oui, il prouve que la Terre tourne, mais c'est compliqué comme objet. Le gyroscope est beaucoup plus simple. Et ce que Foucault ne savait pas, c'est qu'en fait, en inventant ça, il allait révolutionner tous les moyens de transport et de pointage. Vous êtes dans un avion, okay, vous décollez, au début vous voyez bien, la visibilité elle est bonne, puis vous êtes dans les nuages, dans le brouillard. Comment vous savez si vous êtes un peu trop incliné dans un sens ou dans un autre? Eh bien, les avions ou les sous-marins ou les bateaux ou les satellites, les sondes spatiales, elles ont des gyroscopes qui peuvent fonctionner des années. Donc vous en lancez un, vous avez une direction de référence. Vous en lancez un deuxième direction, troisième. Et vous avez un repère. Tant que le gyroscope fonctionne, ce repère est immuable. Il peut se passer n'importe quoi, lui, ça ne bouge pas. Et donc, il suffit de voir comment vous êtes orienté par rapport au repère. Automatiquement, vous savez dans l'absolu comment vous êtes orienté. Et c'est comme ça qu'en fait, on navigue. Il y a une news qui est tombée hier, le télescope spatial Hubble, là, qui est dans l'espace depuis bien longtemps. Mais ces gyroscopes sont en train de tomber en panne les uns après les autres. Alors, il y a longtemps qu'on n'a plus pu les remplacer. Il n'en reste plus que deux, je pense. Mais le jour où il n'y aura plus de gyroscope, vous avez beau avoir un télescope fantastique dans l'espace, ben, si vous, lui ne saura pas comment il est orienté. Et donc, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Alors, avant de terminer, on va aborder maintenant la question qui tue. Si je n'aborde pas cette question, tout ce que je vous ai raconté n'a aucun sens. Je vous ai dit, vous lancez votre gyroscope, vous donnez une direction, c'est stable. Vous êtes au pôle Nord, c'est plus simple qu'à Mons, vous lancez un pendule, donc le pendule il va aussi dans une direction fixe, et tout va bien. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire être fixe? Est-ce que vous, là, pour l'instant, vous êtes fixe? Alors. Bah, ça dépend du point de vue, comme tout à l'heure. Donc oui, vous êtes fixe par rapport à la collégiale, mais vous êtes embarqué dans la rotation de la Terre. Donc clairement, le pendule, il n'est pas fixe, lui, par rapport au sol, par rapport à la Terre. Donc par rapport à quoi est-ce que ce pendule ou ce gyroscope, il pourrait être fixe? Alors on se dit, bah, peut-être que c'est fixe par rapport au Soleil. Alors on va faire l'expérience. Je vais prendre ici une petite maquette. Je vais prendre une boule jaune qui représente le Soleil, une boule bleue qui représente la Terre. On n'est pas à l'échelle, hein, ça n'a aucune importance. Alors, imaginez, nous, on est sur Terre avec notre petit pendule Foucault. Je suis là, ah, j'embarque des choses. Voilà. Donc, j'embarque le pendule Foucault ici.
J'enlève les murs, mon pendule est à l'extérieur, et je vois que le soleil est là-bas. Et je dis, ben, je vais viser le soleil avec mon pendule. Donc, ça c'est mon soleil, il est là à l'extérieur. Voilà. Je vise le soleil, mon pendule, je le lance. La Terre, elle tourne en dessous. Le pendule, lui, s'en fiche. Il est fixe. On va essayer de trouver par rapport à quoi. Et les heures vont passer, les jours vont passer. Le soleil, dans le ciel de la Terre, on va le voir bouger. Et le pendule, il va suivre exactement le soleil. On est au pôle Nord, tout est facile. Et le soleil, le pendule semble parfaitement calé sur le soleil. Et on se dit, ben voilà, la direction par rapport auquel le pendule est fixe, c'est la direction du soleil. Et puis, quelques jours après, ça va commencer à déconner. On va se rendre compte que le pendule va commencer à se désynchroniser par rapport au soleil. Comme si le pendule, il savait, s'il était doté de pensée, c'est comme s'il savait que la direction, en fait, Terre-Soleil, n'était pas fixe. Alors, votre avis, pourquoi elle n'est pas fixe, la direction Terre-Soleil? C'est pas compliqué, ça. Tout simple. Voilà, parce que simplement, bah, la Terre, elle a un mouvement de révolution et elle fait le tour du Soleil en un an. Et donc, si le pendule pouvait osciller suffisamment longtemps, bah, il vous montrerait qu'on tourne autour du Soleil. Et donc, pour lui, donc, dans quelques mois, il serait ici. Et donc, clairement, s'il vise par là, c'est plus la direction du Soleil. Donc en fait, il est fixe, mais pas ni par rapport à la Terre, ni par rapport au Soleil. On se dit, mais par rapport à quoi il est fixe? On va plus loin. On se dit, ben, maintenant, on n'a qu'à prendre en fait une étoile lointaine. Alors, je vais prendre une autre maquette, une autre boule. On va dire que c'est l'étoile Bételgeuse, par exemple. Donc, je suis au pôle Nord, on est à l'extérieur. J'aurai une étoile là-bas, c'est celle-ci. Elle est là, OK. Alors, avec mon pendule, je vise l'étoile. Donc je pointe, je lance le pendule en direction de l'étoile. La Terre tourne, l'étoile change de place dans le ciel et le pendule il suit l'étoile à la perfection. Les jours passent, les mois passent, les années passent, les siècles passent, tout va bien. Et puis un jour, patatras, ça commence à déconner. Le pendule il va se désolidariser de l'étoile, comme s'il savait que la direction en fait Terre-étoile, c'était pas une direction fixe. Alors pourquoi c'est pas une direction fixe, à votre avis? Je suis en train de vous assommer après le repas. Tu dis? Mais alors, dans l'univers, en fait, effectivement, tout bouge. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si vous voulez comprendre comment tout ça fonctionne, il faut imaginer comment l'univers est structuré. Vous devez imaginer que l'univers, c'est comme un océan. Dans l'océan, vous avez quoi? Vous avez des grandes étendues d'eau, où il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau. Puis vous naviguez, vous arrivez ici, là, il y a une île. Vous quittez l'île, vous naviguez, vous naviguez, vous naviguez, il y a une deuxième île ici. Ah, là-bas, il y a une autre île, mais là, il y a un archipel d'îles. Et ainsi de suite. L'univers, c'est le même. Au lieu d'avoir de l'eau, vous avez du vide. Donc vous naviguez dans l'espace, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, puis paf, vous tombez sur une île qu'on appelle une galaxie, boum. Puis vous quittez la galaxie, et à l'échelle, il y en a une deuxième qui est ici. Et puis là-bas, il y a un groupe de galaxies. Et toutes les étoiles qu'on voit dans l'univers, en fait, elles sont toutes dans des galaxies. Vous n'allez jamais en trouver une en dehors des galaxies. C'est comme les habitants sur Terre, il y a bien un marin qui va d'une île à l'autre, il y a bien une étoile qui a été éjectée un jour d'une galaxie, mais en général, tout est dans une galaxie. Et donc, notre étoile à nous, étant un soleil, eh bien, elle fait aussi partie d'une galaxie. Et maintenant, imaginez que vous êtes Dieu et le disque en bois qui est ici n'est plus un disque en bois. Imaginez que c'est notre galaxie à nous. Et de quoi il est composé ce disque, enfin, cette galaxie? Eh bien, là, devant vous, vous avez 100 à 300 milliards de soleils. Okay, et notre soleil à nous, ici, eh bien, c'est une des 300 milliards d'étoiles de ce disque-là. Alors, les gens ont longtemps cru qu'on était au centre, mais il n'y a aucune raison. En fait, on est des banlieusards, on est quelque part ici. OK, vous êtes là. Et cette galaxie, en fait, elle est grande. Et quand je dis qu'elle est grande, c'est vraiment grand. Alors pour se rendre compte à quel point c'est grand, ben imaginez que vous soyez dans un vaisseau spatial qui se déplace à la vitesse de la lumière, hein, Star Trek, Star Wars et compagnie, et vous dites, voilà, je vais traverser la galaxie. Donc à chaque seconde, vous allez faire 300 000 km. Donc quand je fais ça, vous avez déjà fait 10 fois, 7 fois le tour de la Terre, vous avez parcouru la distance Terre-Lune, et là, pour aller de là, en fait, à l'autre côté, eh bien, il vous faudrait 100 000 ans. Donc, on dit que le diamètre de la galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc, les dimensions, c'est invraisemblable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre Soleil, là, donc nous, on est quelque part ici, ben, notre Soleil, il fait le tour de la galaxie, mais il lui faut du temps, il lui faut 250 millions d'années. L'étoile qu'on a visée là-bas, parce que les étoiles qu'on voit dans le ciel, elles sont dans notre propre galaxie. Donc l'étoile qu'on voit là, elle tourne aussi autour de la galaxie, mais elle va plus vite, elle, parce qu'elle est plus proche du centre. Et donc avec le temps, ben, le soleil, l'étoile, tout ça va se décaler, et donc la direction, soleil, terre, étoile, elle n'est pas fixe. Et le pendule, il sait. Une sale bête, comment il sait? C'est l'exemple qui est derrière tout ça. Et finalement, on arrive aux limites des connaissances en physique, on se dit, mais
finalement, dans quel repère on aura la direction qui est immuable, eh bien, aujourd'hui, on pense que si vous prenez les objets les plus lointains qu'on puisse observer avec les plus gros télescopes, donc les objets qui sont tellement loin que la lumière met 12 milliards d'années pour nous parvenir. Donc vous avez des galaxies qui sont à 12 milliards d'années-lumière, c'est comme ça qu'on dit. Vous en prenez une là-bas, vous en prenez une autre dans cette direction-là, troisième, vous avez un repère. Et dans la limite de nos connaissances, quand vous lancez votre pendule Foucault au pôle Nord, votre pendule, son plan est fixe par rapport à ça. Alors ça, ça dépasse l'entendement. Et donc il y a plein de gens qui se posent la question, c'est pourquoi c'est comme ça. Il y en a qui ont dit, mais peut-être que ce pendule, finalement, il sent toute l'influence des galaxies les plus lointaines, ils sont l'influence de tout l'univers, et c'est ça qui le stabilise, qui stabilise sa direction. C'est plus trop à l'ordre du jour. Mais les questions qui paraissent compliquées vous ramènent à des questions simples, finalement. La question, c'est pourquoi ils vont en ligne droite? Pourquoi il y a l'inertie? Pourquoi quand vous shootez dans un ballon, si vous ne mettez pas d'effet, votre ballon, il va en ligne droite? Pourquoi il y a ligne droite? Alors on dit, ça c'est l'inertie, c'est parce qu'il y a une masse. Et pourquoi il y a une masse? C'est quoi la masse? Et donc là, on arrive au fondement de la physique où on commence à perdre pied. Et ce qui est fou, c'est que ce pendule, qui à la base est un objet débile, enfin, c'est juste un fil et une boule, en réalité, il vous emmène aux confins de l'univers et des concepts. Et donc, on passe de la mécanique, en fait, à la cosmologie. Voilà, c'est un objet assez fou. Alors, pour conclure, j'ai encore une expérience à vous montrer, je vous la montrerai en dehors du cercle ici. Pour conclure, effectivement, on a prouvé que la Terre tourne, mais je vais en revenir à la question de base. On disait, tiens, l'histoire de l'évier. Quand je vide mon évier, si la Terre tourne, on a vu que les balles sont déviées, le pendule est dévié, donc l'eau de l'évier, quand elle va partir vers le petit trou, elle doit être déviée aussi. Et donc, logiquement, je devrais voir un tourbillon qui tourne en sens horlogique chez nous. Et quand j'ai la tête à l'envers, voilà, l'hémisphère sud est tourné dans le sens anti-horlogique. C'est logique. Mais on perd une donnée importante, c'est le temps. On se lançait une balle tout à l'heure, sur le temps que la balle vole, on n'a pas vu l'effet de la rotation de la Terre. Et si on le voit parce que le pendule, il accumule les allers-retours. Mais ce n'est pas sur la demi-seconde que prend le temps pour que la petite goutte d'eau file dans le petit trou qu'on aura le temps de voir la rotation. Et donc, ce qui se passe, c'est quand on voit une rotation, ça dépend de la façon dont vous mettez votre main dans l'eau, simplement. Il y a toujours un petit peu de mouvement résiduel. S'il y a un tourbillon qui s'amorce, avec votre main, vous pouvez inverser la rotation. Et il y a des gens on voit des vidéos sur le web où vous avez des gens qui sont au niveau de l'équateur. Et donc, ils se font payer. Alors, ils ont la ligne d'équateur qui est ici. Ils prennent la bassine, une bassine d'eau, ils se mettent là. Ils disent hémisphère nord. Et là, on voit le tourbillon qui tourne en sens aiguille d'une montre. Puis, ils font un pas. Là, c'est sens anti-horlogique. Et tout le monde qui sait que ça dit, waouh, c'est fabuleux. Et cette vidéo, on la transfère vite sur Facebook. C'est de l'arnaque complète parce qu'on ne peut pas avoir un effet. C'est ce qui a fait dire, en fait, à un prof de physique un peu malicieux. Ce sera ma phrase de fin. C'est que finalement, il est bien évident que les éviers se vident dans le sens horlogique dans l'hémisphère nord, dans le sens anti-horlogique dans l'hémisphère sud, et qu'ils ne se vident jamais à l'équateur. Voilà. En fait, c'est quoi? Vous avez une tige en métal ici. Cette tige, je peux la faire vibrer comme je veux. Je peux la faire vibrer verticalement, je peux la faire vibrer horizontalement, en oblique, enfin, comme je veux. Là où ça devient intéressant, c'est que cette tige, elle est montée dans un mandrin. Donc, c'est un petit système qui peut tourner. Et la question que je vous pose, évidemment, si maintenant je donne une pichenette à la tige, je la fais vibrer verticalement, quel sera l'effet de la rotation du support ici? Donc en gros, si je tape sur la tige, voilà, elle vibre, et, bon, dans les limites du raisonnable, elle conserve sa direction. Mais si maintenant je fais tourner le support, vous voyez que le support il va vite, il fait même, je pense qu'il fait même 2 tours par seconde. Quel sera l'effet sur ce que vous allez voir ici? Il va tourner, donc il va faire ça, et puis ça, et puis ça. On y va? Je suis content parce que j'ai quand même failli par vous coincer, parce que vous avez eu bon à tout. Les gens habituellement se trompent. Sur la fin, vous avez coincé aussi, regarde. Je mets la rotation, je fais vibrer ça, et vous voyez qu'en fait, la tige, elle s'en fiche comme dans l'encarrant. Elle conserve sa direction d'oscillation, il n'y a aucun effet. Alors quel est le lien entre ça et le pendule? Le lien, il est clair. Si vous prenez cette tige et que vous la mettez dans ce sens-ci, vous avez un pendule, dont la tâche peut tourner à grande vitesse. On voit que même si la tâche tourne 2 fois par seconde, il n'y a aucun effet sur la direction d'oscillation. Et donc, ceci résout un problème important qui est, qu'est-ce qui se passe là-haut? Parce que quand avec la journée qui avance, la collégiale, évidemment, elle est embarquée dans la rotation de la Terre. Donc la tâche de notre pendule Foucault, il fait un tour en 24 heures. Donc s'il n'y a pas d'effet de la rotation de la tâche aussi rapide là, sur le petit pendule métallique ici,
Il n'y aura aucun effet de la tâche dans la collégiale qui fait un tour en 24 heures. Donc, quand Foucault a vu ça, il dit « Ok, c'est bon, le pendule, ça va fonctionner, il conservera bien sa direction, quel que soit ce qui se passe au niveau de la tâche. » Voilà. Ça, c'était la petite manip. Et la petite cerise sur le gâteau, voilà, c'est une manip qui est totalement déconnectée du reste. On l'a faite parce qu'elle était belle, elle concerne des pendules, donc on s'est dit on pouvait pas ne pas vous la montrer jusqu'au jour 3. Il y a, venez avec moi, on va aller ici. On y va, regardez ce qui va se passer. Alors, les pendules partent en même temps, mais évidemment, ils vont tous à des cadences différentes. Le plus long ira plus lentement. Et là, maintenant, vous voyez, ça commence à faire une espèce de serpent. Et ce qui est joli, c'est que vous allez avoir un tas d'autres figures qui vont apparaître. Et à un moment donné, on verra même une espèce de double hélice ADN. C'est vraiment magnifique. Là, on a l'impression que c'est un peu n'importe quoi, mais ça va se construire. Voilà, on va laisser faire. Mais si on n'est pas dans l'axe, on ne voit pas bien ça. Hein. Voilà, ça commence à se former. Et puis progressivement, voilà, là ça devient joli. Voilà. Et après, tout va se réaligner et puis va repartir. Évidemment, le pendule, il perd de l'amplitude et donc après, il faudra le lancer. Et sur ce, j'arrive à la fin. Soyez curieux, faites de beaux rêves, soyez heureux. Et avant de partir, regardez le pendule ici, comme il va vraiment, on voit vraiment bien que la Terre a tourné, qui va être très bien. Voilà, merci d'avoir joué le jeu. À bientôt.